Gaëlle vit dans la banlieue de Nantes. Tous les matins, elle se précipite sur sa boîte aux lettres. Depuis qu'elle est en congé maternité, ses revenus ont diminué. Il faut compenser par tous les moyens. La petite pochette, il doit avoir des échantillons dedans. Gagné. Est-ce qu'on peut avoir ? C'est toujours ça de moins acheté, comme on dit. Hein. Mais depuis qu'elle est en congé parental, les fins de mois sont un peu justes. Son mari, chauffeur routier, est souvent absent. C'est elle qui gère le budget de la famille. Un budget serré, mais Gaëlle est devenue une professionnelle du gratuit. Promotion, produits remboursés, elle profite de tout. Un exemple, les gels douche, oui. Depuis que le petit là, il est né, j'en ai pas acheté. Les laits nettoyants non plus. Parce que bon, on en a cadeau maternité, cadeau. Bah, les cadeaux, à la longue, bah, ça en fait beaucoup. Et des cadeaux, Gaëlle en a plein ses armoires. Je ne pense pas toujours. Les cotons, complètement un paquet, c'est sympa. Des petites crèmes pour le soleil. Hein. Ça, c'est un cadeau de la maternité. Ça, c'est un cadeau valisette naissance. Médecin. Et encore, je te dis, il n'y en a presque plus parce que je les utilise. Renaise. Hop là! Même le chien, c'est cadeau. Un magnifique berger belge qu'elle est fière de montrer à sa belle-sœur. C'est chaud, en fin de compte, ça vaut presque 600 euros. 600 euros, mais pour Gaëlle, c'est gratuit. Un éleveur le lui a donné en pension. Ouais, avoir une belle bête, gentille et tout, un moindre coût, en fin de compte, ça c'est un bon plan aussi. Et ce n'est pas tout, la jeune maman n'a quasiment pas déboursé 1 euro pour les jouets de ses enfants. Ça, c'est valisette naissance. Ça, sans obligation d'achat, collector. Valisette naissance. Cadeau collector. Valisette naissance. Bon, là, t'as deux cadeaux rassemblés. Cadeau avec des photos. Après, t'as toujours des petits comme ça, gratuits. Jouets, meubles, vêtements, chez Gaëlle, tout est gratuit, absolument tout. C'est le dernier truc qu'ils ont trouvé en ce moment, d'offrir des strings. Et ça, t'as ça où ? Ça, tu fais juste une demande de catalogue, t'as un string gratuit pour celui-là. Et celui-là, tu payais juste les frais de port. Ils t'offraient ça, c'est une offre Internet. Internet, une mine d'or pour les rois du gratuit. Tous les jours, Gaëlle sollicite les marques pour obtenir de nouveaux cadeaux. C'est très simple, il suffit de rédiger une lettre type et de la modifier à chaque demande. J'aime beaucoup votre marque de cosmétiques. Avec un S, parce qu'ils en font sûrement plusieurs. Et je serais ravie de vous faire de la publicité. Pourriez-vous me faire parvenir un ou peut-être plusieurs objets publicitaires pour compléter ma collection, des échantillons, des bons de réduction. Je prends les marques que je consomme et puis je vois s'ils ont des sites internet. Et quand ils ont des sites internet, bah, je me paye le culot où ils te demandaient. Et le culot, ça paye, quoi. Ça correspond à 30% de réponses positives. Faut te culotter, quoi. On arrive toujours à la même conclusion. Si on demande, on peut avoir. Si on ne demande pas, on ne risque pas d'avoir. Et puis, c'est positif, quoi. Les sites préférés de Gaëlle sont tous ceux spécialisés dans le gratuit. Depuis 3 ans, ils fleurissent sur le net. La Fouine, Gratissimo, Ccadeaux.com, ils sont de plus en plus nombreux. Pour faire mes courses, moi, je vais sûrement dans le magasin qui propose la meilleure offre. Donc, c'est vrai que ça change régulièrement. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. La jeune femme ne va pas faire ses courses comme n'importe quelle cliente. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement les produits remboursés. Gaëlle les a repérés sur Internet avant de venir. Comment on sait que ces produits-là sont remboursés ? Ben, ceux-là, je les sais parce que qu'ils sont remboursés parce que sur Internet, c'est marqué que pour chaque enfant, en fin de compte, on a le droit à un paquet de piles remboursées. J'ai juste fait une photocopie du livret de famille, donc en plus des conditions habituelles, donc c'est de la rigolade, quoi. Et là, c'est pas marqué dessus ? Ah, c'est pas marqué dessus, là, c'est sur Internet que je l'ai vu, là. En effet, tous les produits remboursés ne sont pas forcément visibles pour le commun des consommateurs. Alors, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un produit qui était satisfait ou remboursé. Oh ben, sinon pas. Mais Gaëlle a le coup d'œil. À ce petit jeu, elle est imbattable. Regardez, 100% remboursé. Façon crumble, façon tatin. Quel qui m'inspire le plus. Façon au pire, je vais me faire rembourser. Hein. C'est pas celui que je cherche à l'origine, mais bon, toi, en fouinant, on en trouve toujours. Oh, regarde, viens voir. Votre premier achat remboursé, ça m'intéresse ça. Je fais des gâteaux régulièrement, moi. Toi, il n'y a qu'à regarder. Faut avoir le temps de regarder. C'est surtout ça le plus difficile, en fait. Le bagage t'a acheté égale 1 remboursé. Oh, ça se mangera toujours, ça. Allez, encore dans le caddie. Son panier rempli de produits remboursés, la jeune femme doit maintenant passer à la caisse. Mais là, c'est loin d'être simple.
Allez, on va faire que des petits tickets si ça vous dérange pas. Pour chaque produit, Gaëlle doit obtenir un ticket de caisse séparé qu'elle enverra ensuite avec sa demande de remboursement. Il y en a beaucoup, madame, des clients qui font ça ? Ça arrive. Ouais. C'est toujours les mêmes en plus. Presque. Ah oh non, pas forcément. Non ? Il ne faut pas être pressé, mais le jeu en vaut la chandelle. Au total, sur un montant de 17,30 euros, Gaëlle va se faire rembourser 14,50 euros. On aura fait quand même pas mal de tickets encore. Cerise sur le gâteau, avec ses courses quasi gratuites, elle accumule des points sur sa carte de fidélité. Et les cartes de fidélité, elle les collectionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis à 24. Je ne dirais pas, je me dirais, bah oui, mais ça se trouve, j'aurais eu droit à un cadeau au bout d'un moment, donc j'aurais été malade de ne pas l'utiliser, quoi. Ça vous vient à l'esprit, des fois, de payer comme tout le monde les produits que vous achetez ? Payer plein pot ? Non, hors de question. Ça m'arrive pour certains produits, mais c'est vraiment que j'ai pas le choix et que je peux pas négocier. C'est une habitude, c'est une manie, c'est ouais, c'est un tic. Ah, secours ! Merci bien. Merci, bon après-midi. Je peux avoir un petit cadeau, là ? Je vois que vous avez de réserve. Bien sûr, vous avez combien d'enfants ? Deux. Merci bien. Bonne fin de journée, au revoir. Gaëlle repart les bras chargés de victuailles qu'elle a obtenues pour la modique somme de 2,80 euros. Allez, Inzuko ! Grâce à ses économies, elle a réussi à s'offrir le canapé de ses rêves. Ça y est, j'ai mon beau canapé. Relax. Peinard.